Da torinesi, da piemontesi le chiediamo così una valutazione sul percorso che toccherà la nostra regione. Ma è una tappa molto lunga, 230 chilometri, è una tappa per velocisti, una tappa che, come dicevo prima, attraversa zone meravigliose come il Monferrato, le Langhe, il Roero, poi l'arrivo a Torino, nella prima capitale d'Italia, e quindi penso che sarà veramente un grande spettacolo. Monsieur Prudhomme, quel grand départ de l'Italie en hommage à l'histoire du cyclisme italien? Oui, sans aucun doute, ce sera une première en 120 ans. Peut-être avons-nous attendu trop longtemps, mais il y a vraiment la volonté de montrer naturellement les beautés de l'Italie, d'avoir un terrain sportivement sélectif, mais de rendre hommage aux immenses champions. Le terme est même passé en français, le campionissimo, Fausto Coppi, les campionissimi, de leur rendre hommage tout au long du parcours. Et c'est ce qui sera fait en 2024 et j'en suis très heureux. Sur le parcours, il y a des lieux emblématiques de l'histoire du cyclisme. Oui, bien sûr, et notamment dans l'étape qui traversera la région Piémont sur plus de 160 km avant d'arriver à Turin, où on passera par Tortona, où repose Fausto Coppi, qui est l'un des géants, évidemment, de l'histoire du cyclisme, qui est le tenant d'un cyclisme romantique, romanesque, avec de longues échappées. Quand Fausto Coppi s'échappait, personne ne le rattrapait jamais. Et cette légende-là, elle a existé partout, et aussi, bien sûr, sur les routes du Tour de France. Donc, on n'aurait pas imaginé faire un grand départ du Tour de France et ne pas passer là où les champions italiens ont écrit leur légende.